Allez, viens, je allez, ne veux pas. On avait dit qu'on le ferait. Allez, viens, allez, si, allez. Allez, on est obligé. Souris. Coucou, c'est le successeur de Disney. Coucou. Pour un nouveau Zoom. Donc aujourd'hui, il s'agit du personnage de... Elsa. Un peu plus de conviction. Elsa. C'est bien là. Elsa d'Arendelle est la fille... D'accord. Elsa d'Arendelle est la fille du roi Hadgar et de la reine Ide d'Arendelle aussi. Et elle a une sœur cadette nommée Anna. C'est une jeune adulte de 21 ans au moment de son couronnement dans le film. Ses cheveux sont blonds et elle a la peau très claire. Elle est souvent habillée de couleurs froides et le bleu clair semble être la couleur qui domine ses vêtements. Elle est dotée de pouvoirs de glace qui réagissent le plus souvent en fonction de ses émotions et ça elle ne comprendra qu'à la fin tellement elle est cruche, qui peuvent alors déclencher de vraies catastrophes. Elsa est une reine malgré elle, suite à la disparition de ses parents. Cette disparition peut expliquer ce que les gens lui reprochent le plus. D'être totalement fermée sur elle-même par peur de faire du mal avec ses pouvoirs, dont on ne connaît d'ailleurs pas du tout la provenance, et que le film ne parle d'ailleurs pas du tout. On peut supposer que si les parents d'Elsa avaient survécu, elle ne serait jamais restée autant renfermée sur elle-même, ses parents l'auraient sans doute aidée à grandir avec ce pouvoir. Elsa est devenue un des personnages de Disney les plus populaires, et même plus que sa sœur Anna, qui est pourtant la vraie héroïne du film. D'ailleurs, en France, le film s'appelle La Reine des Neiges, ce qui nous fait tout de suite penser à Elsa. Elle est en réalité l'élément perturbateur principal du film et en est donc l'antagoniste, faisant que vous le vouliez ou non, de Hans et du duc de Whistleton, de simples détails. Walt Disney voulait faire un film du conte de La Reine des Neiges, ce n'est que bien plus tard que les studios l'ont réalisé, mais en ne gardant presque rien du conte original, même si le projet de base du film, que nous connaissons, devrait faire d'Elsa un personnage, entre parenthèses, mauvais. Mais ce qui fut annulé au développement, et c'est bien dommage. Il existe plusieurs versions du conte de la Reine des Neiges où en général elle expose une énigme à un petit garçon et à une petite fille pour libérer le garçon blessé par un miroir magique brisé. Il y a bien sûr eu plusieurs petites adaptations de ces contes en dessin animé rendant la reine totalement bienveillante et protectrice envers l'enfant dénaturant la personnalité originelle de la reine. Le film Snow Queen, développé en même temps que le film Disney, quant à lui transforme la Reine des Neiges en ennemi redoutable et a même détruit des villes entières et tué leurs habitants par des avalanches, des tempêtes de neige et a même gelé des océans entiers. Ce film a le mérite d'avoir gardé des éléments importants du conte contrairement à Disney. Ce n'est pas le film du siècle, mais nous vous le conseillons si vous voulez avoir une version plus récente du conte. La Reine des Neiges y est d'ailleurs un personnage bien plus travaillé qu'Elsa. Elle y est la fille d'un grand sage magicien qui peut utiliser la magie, mais elle se fait traiter de sorcière par les autres enfants, et se sentant totalement rejetée, elle fit le vœu dans des grottes enchantées que toutes les personnes qui ne m'aiment pas soient gelées sur place. Ses pouvoirs croisés à sa couleur... Ses pouvoirs croisés à sa colère, le froid prirent possession de son âme et elle devint la Reine des Neiges. Un film inspiré du conte est sorti en 2002, les enfants héros y sont remplacés par des adultes. La reine y est interprétée par Bridget Fonda et elle est accompagnée d'un ours polaire doté d'intelligence et de parole. Dans Once Upon a Time, les réalisateurs ont profité du succès du film pour recréer plan par plan certaines scènes du Disney, un physique et costume identiques en tout point à ceux de Disney. Et tout ça pour l'audimat, et donc, conseil de princesse, l'argent. Rien que l'argent. L'argent. Elsa avait été emprisonnée, puis libérée. Délivrée. Pour se joindre aux acteurs principaux durant une saison échangeant les rôles. Cette fois-ci, c'est elle qui doit trouver sa sœur. La série offre une histoire intéressante à la famille d'Elsa, mais qui n'a pas fait forcément du bien à la série en général. La série donnerait presque un alibi à Disney sur la fidélité du conte, car transforme Elsa en la nièce de la Reine des Neiges, nommée Ingrid, et est surnommée dans la série, mais seulement en VF, Reine des Glaces, pour ne pas la confondre avec Elsa, qui du coup fait un passage dans la série avec de grosses similitudes au conte original. Elle possède bien plus de pouvoirs qu'Elsa, contrôle les souvenirs, téléportation, projection astrale, télékinésie, etc. Ce qui fait encore passer Elsa pour une cruche, car son histoire n'est pas non plus développée plus que ça dans la série. Dans la série, Elsa est jouée par Georgina Egg et la reine par Elizabeth Mitchell. On ne peut que remarquer l'utilisation du personnage pour le marketing dans sa ressemblance avec la Reine des Glaces du deuxième film des Chroniques de Blanche-Neige, Le Chasseur et la Reine des Glaces, où elle est une reine rongée par la haine et la tristesse. Dans ce film, elle est la sœur de la méchante reine et son pouvoir consiste surtout à créer des murs de glace et de manipuler ce qui peut en refléter. Elle y est jouée par Emily Blunt.
Emily Blunt en est l'actrice. Elsa est beaucoup plus utilisée pour son charisme et sa classe que pour son parcours. Elle n'accomplit et n'apprend pas grand-chose, contrairement à sa sœur. Elle est hélas une des interprétations du personnage de la Reine des Neiges les plus pauvres. Au jour de ce zoom, le film La Reine des Neiges 2 n'est qu'annoncé et on en apprendra peut-être plus sur ce personnage et on espère qu'elle sera bien plus développée. Il y a aussi eu un court-métrage basé sur l'anniversaire d'Anna où Elsa crée de petits bonhommes de neige en éternuant dû à un rhume. Ils sortiront d'ailleurs partout en peluche et créa aussi de nouvelles robes pour elle et pour sa sœur. Et bien sûr, tout cela uniquement pour la mode. Non, l'argent, l'argent, l'argent ! Elsa est étrangement représentée à Disneyland avec une perruque blanche et non blonde, platine, comme certains essayent de l'excuser. Elle et sa sœur ont même eu droit à leur petite parade dans le parc plusieurs fois par jour. Bah. Quand elles sont apparues dans le parc, la direction a dû faire face à une soudaine surpopulation et ont été obligées de créer deux points de rencontre à deux endroits différents dans le parc pour pallier à ce problème face au succès des deux héroïnes. On peut noter que c'est Elsa qui apparaît le plus en tant que figure principale sur tous les produits dérivés de Disney. Elle est doublée par Anaïs Delva pour la voix et le chant. J'espère que ce zoom vous a plu. Ouais. Oh, elle est mignonne quand même. Ouais, bon. Allez. N'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire et on se retrouve très bientôt. Salut. Salut. Zoom, 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 zoom. Pocahontas. Zoom. Princesse Mag. Zoom. Princesse Mag. Zoom. Princesse Mag. Zoom, zoom. Zoom. Ursula. Zoom.